Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur The Library. La dernière fois avec Flop Predator, nous avons fait la section biographie, une section riche en événements. Et dans cet épisode, pour une nouvelle section, je suis toujours en compagnie de Predator 87, qui je ne sais où. Tu es où, Predator? Je suis nulle part. J'ai juste marqué con sur un panneau et un débit. Et tu, comment tu vas? Ça va, ça va. Allez, très bien. Bien. Moi, je vais m'en tirer pendant ce temps-là. Il est temps de faire un peu de littérature. Ouais, mais je n'ai pas besoin d'un livre à ta... je ne sais pas quoi, là. Ton truc. Excellent chariot. Et ça, juste pour... Voilà, bon. Alors, c'était plus au Predator. T'es bien parti, toi? Mais regarde, je suis sur les rails. Ah, ok. Tu as un wagon pour moi? Au pire, give-toi un eux ou alors tu... Attends... je casse celui-là et puis merde. What? Eh, un bug. Je suis passé à travers. Ah, moi je suis parti. Je t'attends. Ah, tu es déjà là-bas. Ouais. Bon, là je vais essayer de pas trop de péter de blocs. À part si on a besoin de péter d'autres, mais dans l'aventure je pense pas qu'on peut péter des blocs, si. Mais bon, on va éviter d'en trop péter comme la dernière fois. Ça, c'est pas un bloc, hein. Ça date du de celui qui a mis... qui a rassemblé tout ce créateur, ce que tu racontes, quoi. Regarde un peu, il est chauve vu qu'il a pas sa chevelure. Attends, mais regarde qu'est-ce que je fais à ton créateur, la merde. Désolé pour le créateur, mais regardez. Ça va être méchant, hein. Bon, ceux qui sont sensibles... D'après ce qui est sa mère, on est Superman dans cette map. Ah putain non! By Martini Ramsaka Deltini. Ah merde, avec qui? Désolé pour ce petit épée, mais en fait j'ai oublié de... Oui. Je m'en chèque pour une Ah putain, je vois pas la map. Allez, une petite musique de... Attends, je vais mettre une musique de Superman en montant là. Je vais éviter vu que... En ce moment, j'ai vu des vidéos, c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de vidéos qui se font... qui se font flag à cause des droits d'auteur. Oh, il faut aller où là? Ah putain, si tu vas là, tu crèves de l'oreille. C'est plus bien. Attends une minute. Ah, il y a eu du trouvé. Ah, oh! Ah bah non. What? Mec. J'ai trouvé. Viens voir. What? Oui, tu me juste une pente, hein. Aïe. Ah bah attends, j'ai une idée. La lava va faire son effet. Non. Non. Oh. Au revoir, là-bas. Maman. Quel grandement. Voilà. Bon, voilà. Donc, je pense avoir trouvé la solution. Putain, mais tu me caches. Je voyais plus rien. Ouais, c'est ça. La difficulté de ce niveau, c'est qu'on voit plus rien. La difficulté à tous les départs, c'est... On cache la vue de l'autre. De l'autre ou de l'autre? De l'autre. Ah putain, il y a un autre bâtiment que j'ai pas vu. Ok. Superman. Oh putain, j'y étais presque. Ça a pas eu le temps de se... Là, Superman, il est plus en train de se casser les jambes qu'autre chose. Ah oui. Vous êtes fan de Superman, mais là... Et
Et comme mais ils ont peur à la fin, en fait. Ce qui me fait rire, c'est à chaque fois que je fais des sessions de tournage le dimanche. Oui, on est dimanche aujourd'hui. Ah putain oui. Et à chaque fois chez moi, c'est censé être tranquille dimanche. Toujours des motos. Ah bah, tu sais quoi, je m'en bats pas les couilles, mais c'est pas grave. Hein. Mais ça t'a pas cassé les oreilles, là? Peut-être. Ouais, mais moi, je suis... Ah, putain! Parce qu'à chaque fois, toutes les personnes avec qui je suis pour une session de tournage le dimanche, ils entendent des motos, et ça leur pète les oreilles, des fois. Ah bah là, tu vois, ça m'a pas pété les oreilles! Et putain, j'étais juste à côté, j'étais sur la vitre. Ouais. Putain, c'est vite, ça nous oblige à tourner au dernier moment, c'est assez chaud ça. Putain, ah, c'est beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Ah oh. Me demande les dégâts que ça va faire. Ah putain, je me mange la deuxième vie. Par contre, le truc que je comprends pas... Putain, truc que je comprends pas dans Minecraft, c'est quand tu retombes sur une vitre, elle se pète pas. Tu vois? La réalité. Ouais. Putain, mais aussi, c'est pas la réalité des cubes. Mais qu'est-ce que je parle, moi? Imagine si le monde était cubique. Oh. Il faut... Ah putain, mais... Le putain de nuage. Oh putain non la lave, oh, la connasse. Ah ben voilà, on a qu'à lancer le débat. Si le monde était cubique, qu'est-ce qu'on serait? Ah oh, putain la lave elle bloque maintenant. Oh les gens, ouais. Putain. Non genre la lave. Oh putain non. Et c'est quoi, on va peut-être attendre un petit peu, non? Putain, Attends, j'ai peut-être une idée, oui. C'était mon idée. Voilà, on tombe tranquillement et puis on se casse. Hein, et puis, parce que là, ça commence à me péter les couilles. D'accord avec moi, monsieur? Ouais, moi j'ai décidé d'utiliser des pommes cheat. Ok, carrément. Ah, moi j'ai décidé de descendre comme ça. Voilà. Ouais, bon, moi aussi. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est? Second niveau. Ouais. Ah, je suis en fait, vous second niveau, rongé par la lave, le feu prédateur. Comment ça, second niveau? Je te rappelle que c'est le premier toujours. Oh mais quel con, je vois des potions de dégâts. Oh là là. Oh mais quel con. Oh putain, il propose rien ce crétin. Salut, comment tu vas? Moi je vais très bien. Allez, il brûle en paix. Et bois ça pour la même occasion. Ça fait du bien, je fais pas dire. Ah bah j'ai une idée, on va faire cramer ce niveau. Non mais me fais pas cramer. Non, on arrête avec la lave, ok? What, c'est quoi ça? Ah c'est... Je vais faire cramer le chemin. Tu me fais chier avec ta lave. Moi je te fais chier avec les citrons. C'est quand même beau, hein, un petit mur de... Voilà. Maintenant, on peut plus retourner en arrière. Voilà. Voilà. En même temps, je vais jeter ça. Ah bah non, je vais pas jeter. Ah mais tu es sûr, toi? Ah mais dégage, maintenant. Mais tu fais chier, là. Hein, wesh. On reste poli, hein. Oh putain, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Bah... Oh putain! Oh là là! Ce lit de passe magnifique. D'après ce qui est dit, c'est du fly flight.
Donc c'est du dragon, c'est ça qu'ils ont dit. Putain, non, juste à côté. En plus, c'est facile ce niveau-là, normalement. Premier coup. Putain, mais aussi ça bug. Faut dire que... Bug, je vois rien. Et moi, j'ai rendu extrême, donc ça facilite. Putain. Non, mais en même temps, tu mets pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Ah, t'étais entre... Tu me visais, moi? Bah oui. Mais je me dis, il est sûrement dans l'eau. Ah bah non, juste, il est pas dans l'eau. Juste à côté de l'eau, là. Ah, je vois, c'est texturisé. Yes. Attends, mais t'as remarqué, je vais pas cramer tout. Ouais. J'ai même plus de lave, de toute façon, donc ça sert. Moi, j'en ai encore deux de lave. Mais sinon, c'est quand même bien fait, ça. Mmh. Oh, ça me rappelle le dragon qu'on avait sur la PS1, là, le petit dragon qu'on jouait avec la PS1. Le dragon violet? Il est plutôt bleu, je pense. Ouais. Parce que moi, je pense à... Il n'y a pas un dragon violet? Ça m'aurait fait penser à Pierrot. Voilà, Pierrot, c'est ça que... Pierrot. Pas Pierrot. Je m'en rappelle plus, hein, attends. C'est Spiro, je crois. Spiro. Non, Spiro, ça c'est... Non, Spiro. Ah, Spiro. Spiro. Ouais. Toi, oh, putain. Lag. Dépêche-toi. Ouais, mais attends, j'ai perdu la sortie, là. En fait, il n'y avait même pas de sortie. Ouais. Comment ça, il n'y a pas de sortie? Je l'ai trouvé, moi, la sortie. Ah, mais ouais, t'es déjà des... Sunshine, Lollipops and Rainbow. IP, pire. Ok, d'accord. Salut. Comment tu vas? Putain, mais ça lag. Ah bon, il faut aller où, là? C'est parce que ça charge. Allez où? Tu vois quelque chose, toi? Je vois beaucoup d'arbres, c'est ça. Ah, les arbres, ils cachent tout. Attends une minute, il faut aller sur une nage là-bas, je pense. Ouais, il y a un chemin. Ah, y a ma cassine. Oui. Il y a ma cassière. Bon, maintenant, il faut aller où? Je déteste ces morts comme ça là, tu vois. Pourquoi? Bah, il faut chercher après une issue, mais je déteste. Ah, de l'eau. Ça. Regarde, suis ma tête. Mais elle est. Ah oui, là, je vois une. Je vois la liberté. Ah, presque. Ah, t'es tombé de temps, mais t'es mort. Eh, j'étais presque. Ouais, j'ai vu ça. Ah bah attends. Ah putain, non, ça n'a pas spawné, les armes n'ont pas spawné. Voilà. Allez, pas. C'est ça. En fait, ils vont juste tomber juste devant. Voir ici. Ouais. Bah, t'as juste à tomber comme ça. Tu tombes bien sûr sur un truc qui va te tuer. Bah non. Plutôt en bas. Quoi, t'es déjà... T'as vu? C'est facile, hein. Oh, je suis mort sur un nénuphar. Ah, voilà, c'était ça, j'avais peur, justement. Ok, bon. Il y a des pièges. Oh, quoi, il veut nous achever? Non, mais en fait, il y a un piège, si tu marches sur la plaque, il y a une trappe qui s'ouvre et qu'il y a une PC qui s'ouvre. C'est bon. Oh, putain, mais c'est... Ah, c'est un serpent. Ah mais c'est sombre. Ah oui. Attends, option. Parce que... Non, il n'y a même pas de truc pour aller plus vite là. Pourtant, c'est à fond. Bon allez, maintenant, voilà, je suis arrivé au serpent qui me fait rien. Ok, il faut déjà aller sur sa langue. Et là, il faut déjà aller où?
Allez, qui j'ai peur. Attends, bah, je suis en train de... Ah ben j'ai trouvé les plaques de pression. Voilà, je suis sur je ne sais pas quoi. Pendant que je monte le serpent là. Oh, j'avais pas vu ça. Aleti. Dès que tu ok, je vois tout là-bas, le petit Aleti. Je vous rappelle que d'autres. On est en train de faire des vidéos sur Robocraft avec. Ah, vous êtes en train de faire des vidéos sur Robocraft. Toi, tu connais? Bah oui, je l'ai eu pendant un certain moment et puis je suis promis. Ah ben, vu qu'on savait pas, toi, et vu que... Je l'avais déjà tapé, mais je l'ai déjà installé parce que ça me fait énerver. C'est tout le temps un peu, on pouvait... Ah, ok. Ou si tu veux, t'auras qu'à le réinstaller, comme ça tu feras des vidéos avec moi. Je connais, il est gratuit. Ouais, je sais. Tu vois ici. Comment t'as fait pour descendre? Bah, tu sautes. Si t'as de la vie. Ouais. Donc, sur Robocraft... J'ai fait des vidéos sur Payday 2, je vais en refaire sur refaire avec DJ. Et sinon, vous n'aurez qu'à voir les autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Moi je fais surtout des. Et tu feras des rencontres abonnées? S'ils le veulent. Mais pour le moment, parmi mes abonnés, je crois que j'ai à peine 6 abonnés que je connais pas. Mais en fait... Les autres, c'est que des potes. Un truc que tu viens pas de remarquer, mais en fait, on a monté pour rien. Ah. Y a rien. Bon, nous sommes désolés, mais là, on est obligé de se mettre en game mode, parce que là, on trouve pas la sortie. Aleti fait une coupure pour la sortie parce que là il n'y a même pas de sortie. Ok, je fais. Bon, micro coupure les gens, le temps qu'on trouve à sortir. Bon les gens, là. Alors, on a retrouvé la sortie. Et là. Ouais. Et en fait, on s'est emmerdé à atteindre. Mais en fait, elle était dans le serpent. Voilà, dans la bouche. Dans la bouche, ou soit il y avait le petit piège que j'avais trouvé, mais. Ouais. Il fallait rentrer par là, mais nous on ne savait pas du tout. Tu trouves pas que ça a l'air d'un piège, ça? Non. De quoi? Les plaques de pression? Non. Ah, si, si. Moi je vais plutôt marcher à côté. Pas très confiant. Ouais, moi non plus. Parce que des fois, des pièges comme ça, je les connais déjà, ils explosent partout, ça m'énerve. Et aussi, ça me fait perdre du temps. Je viens d'appuyer sur certaines, ça n'a rien fait. Oh putain! Non, je croyais déjà y tomber dans le vide. Wow! Dragon Metroid, I have a carrot. Le mec, il s'appelle I have a carrot. Oh! Là, ah putain, connard. Mais c'est ça le problème avec... On s'en fout, elle compte pas cette mort. C'est que j'avais appuyé sur l'interrupteur... quelques secondes avant non, que t'arrives. J'ai rien fait. Là, tu peux rien me dire, j'ai rien fait. What? Mais attends, il y a un bouton qui s'est activé tout seul. Ah non, non. C'est juste que j'ai... mis le levier, c'est ça? Activé l'interrupteur. Ah, ok. Donc, Attends, éteins l'interrupteur et puis rallume. Pourquoi? Parce que là, je vois toujours les blocs. Attends. Est-ce que tu les vois là? Oui, je les vois toujours. Et là? Et attends, je reviens vite. What, pourquoi ils sont fermés? Parce que j'ai appuyé dessus. Oh putain, non. Je passe ça maintenant, voilà. Désolé. Attends, on pourrait couper, s'il te plaît. Quoi, t'arrives plus à te recours? Coupe. Bon, seconde mini coupure. Et voilà le retour de Predator qui a eu quelques soucis avec le launcher. De quelques secondes aussi. Putain, je déteste. Ah, les trucs, les... Ah, ouais. Putain, je fais ça.
Attends, j'ai peut-être une idée, Slash. Mais t'es sûr qu'il faut passer dans... Non, mais ça, t'auras un petit coffre, je sais. Ah, d'accord. Oula. Oui, à peine ça. Ouais, donc, si... C'est quoi le numéro de... Ok. De quoi le numéro? Hein? Comme ah, cheat voilà. Ah non, what? Pourquoi de le... What? Oh putain, non, le petit saligo. Oh, le petit... Il m'a trollé, là. Pourquoi il s'écoule pas? Bah voilà, c'est ça, je me pose la question. Attends, tu es sûr que le bloc... Ah voilà. Désactivons. Ah, t'as pas... Attends. T'as pris... T'as fait quel numéro? C'est bon, l'eau, elle coule. Oui, mais t'as appuyé... C'est lequel de numéro? Le 8 ou le 9 que t'avais... C'était water, c'est tout. Parce qu'il y a la water normale et la water statique. Mais ouais. Je me suis fait... Moi, je suis en train de glisser comme des porcs. Et nous, en fait, on détruit... On détruit la map, on détruit les niveaux. Oh, si je me mets comme ça, j'ai l'impression que c'est un alien, ça. Ah, j'ai trouvé un corps. Un alien de Space Invaders. C'est bon, tu peux descendre la source d'eau. C'est bon. Moi, j'ai atterri dans l'eau, là. Dans l'eau que j'ai posée ou dans l'eau? Dans l'eau normale. Mais, voilà, moi, je suis en train de... Je vais prendre un petit coffre. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être de la lave, encore une fois. On va bien s'amuser. Ok. Ton eau, elle a fait apparaître des poulpes. De quoi? Oh, la vache! T'aurais dû venir, excuse-moi. Là. Vu que t'as mis de l'eau... Et vu qu'il y a beaucoup d'eau maintenant, ça fait apparaître des poulpes qui sont en train de cramer dans les flammes. Regarde ce que j'ai trouvé. Un diamant. Un diamant. Oui, en fait, on ne vous a pas dit les gens, mais dans certains niveaux, il y a des diamants. Mais bon. Et en fait, ça va servir à quoi? C'est pour le score, mais bon, vu qu'on les trouve pas dans chaque niveau... Ah, moi, j'en ai trouvé deux, là. Nous, on avait décidé de s'en foutre un peu. Désolé, mais là, c'est la fin de l'épisode 2. Donc, on va arrêter là pour l'instant. Pourquoi? Parce que là, je dois faire un truc qui va durer longtemps. Tu dois t'absenter? Vite, allez, coupe. Allez, au revoir. Et après cette petite interruption. J'ai dû péter un anniversaire aujourd'hui, donc voilà. Et ouais, c'est ça. C'est urgent. Ça, c'est plus urgent que... Ah, c'est plus urgent que vous, désolé. Pourquoi t'as cassé le coffre? Pourquoi ça s'est cassé? Mince, pourquoi... Oh, purée, je m'en fiche. Oui, on est en game mode 1 parce que les gens pensent qu'on avait perdu. En fait, tu sais qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'étais tout seul? Ouais, tu avances un peu. Non, j'ai aussi mis une TNT en dessous pour que tu ouvres et que ça explose. Ah, voilà pourquoi ça m'a... Ah oui, au départ, c'était pour t'apprêter en fait. J'ai fait tout ça. Oh, mais... Ah, je vais dire une source... Non, putain, j'ai toujours pas... J'y tombe. What? Je suis pas mort. En même temps, t'es tombé dans une source. Ah ouais. J'avais cru qu'elle était... Alors, je suis désolé, Oh putain. What? Mais c'est quoi ce délire? Non, c'est un piège, il faut un truc. Il faut une échelle, je me rappelle. Je l'ai, l'échelle. T'as oublié de la prendre. Quoi, il faut mettre une échelle? Oui, je sais plus, il y a quelques... Hein, oh putain. Oh, j'ai pris... Oh,
Ouais, mais ça va être galère de poser une échelle tout en haut. Moi, je te l'espère, hein. Tu frises. Oh putain, ça marche pas. Décidément, ce mec, c'est le... C'est le pro des pièges et des... Et des petites... Ça va être de trop, attends. Tu me conseilles de quoi pour les graphismes, les options de graphismes? Mets-toi en off. Non, non. Donc je mets quoi? Graphisme rapide. Attends. Donc option graphique, tu mets éclairage adouci, non. Graphisme, t'as qu'à mettre. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut rien changer. Dans oui, les... on peut rien changer pour les clics. Donc voyons. Tu mets les clouds, tu mets à off au pire. Voilà. Donc si vous entendez des bruits de tir, les gens, c'est normal. C'est dimanche. Ils sont en train de tuer des enfants. N'allez pas chez eux. C'est des psychopathes. C'est chassé, chassé. Oh putain, oh yes, yes, yes. Oh. Non, putain. Ah, mais quel boulet. Un mais boulet, pareil, je comprends pas comment vous êtes abonné à leur à sa chaîne. Abonnez-vous à la mienne. Il faudrait que t'en aies une de... Oui, déjà. Mais tu es vraiment un pilote, toi. Non mais il y a eu un bug, ça m'a inversé. Non là. Non, tant pis, non, 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 ça compte pas. Tu sais quoi? Quoi, j'ai rien fait là, tu peux pas m'accuser. Et voilà, je descends tout en bas, je descends tout en bas, je m'en bats les couilles. Allez, hop, je me lâche la gueule, je m'en bats les couilles. J'ai fait quoi encore là? Non, c'est pas de ta faute, mais là, il y a juste le nuage de mer qui m'a bloqué et qui m'a tué. Non, non. Là, je n'accepte pas. C'est ouais. Inadmissible. Non, non, c'est le dernier bloc. Est-ce que t'es tombé sur la cible? Oui, non, non. Je comprends pas comment il veut qu'on fasse. Attends, il pourrait peut-être... Ah, ok, je vois un stuff ici. Attends, mais c'est ton épée, c'est l'épée qui était dans le coffre que je t'ai fait. Il y a encore le stuff. Ah, voilà, j'ai trouvé. Juste pour te dire, Predator, oh, mais le dimanche... Mais il y a des dimanches, c'est l'enfer chez moi. Maintenant, il y a... C'est des clochettes, maintenant, qui retentissent. Des clochettes. Il y a la fée clochette. Oh mais toi, c'est bon. Toi, tu... Attends, j'ai un plan, merde. J'ai un plan. J'ai un plan qui pourrait marcher. Bon, c'est un petit peu cheaté, mais au moins ça va marcher. Bon, désolé que si je cheat un petit peu, mais... Voilà, c'est inadmissible. Je vais prendre la source d'eau, petit enfoiré. Pourquoi? Eh, c'est moi, il y a de la laine verte. C'est pas la laine qu'on va récupérer à la fin, ça. Si, normalement, il a fait. Ah oui, mais c'est la laine que j'ai cassée pour mettre la source d'eau. Ouais, ben, tu t'en débarrasseras. Alors, le niveau, c'était quoi déjà? C'était... Attends que je me souvienne. C'est quoi? Mao... Ah, oui, ça. C'est les bateaux, c'est les bateaux. C'est Kraken. Mais... On est dans... Ouais. C'est l'entre... Oh putain, c'est quoi ça? Mais j'ai crevé, moi. C'est l'entre voilà. C'est l'entre du Kraken. Il faut aller dans une bouche, j'ai vu. Oh putain, mais attends, c'est trop... Ils sont trop... C'est trop serré. Donc, je me disais aussi, pourquoi pas faire ça? On est dans un bateau. Ouais, et je voulais juste aller sur la gauche et ça m'a mis là. Bah tu sais quoi, moi je vais péter le bateau. Voilà. Au moins je pourrais faire une table de craft pour faire un truc avec des diamants. Mais...
Déjà ton rire dans le premier... Oh putain, non, j'étais presque. J'étais sur le... Mais c'est sur la lèvre. Juste pour te dire, dans l'épisode 1, ton rire, on dirait le rire d'un savant fou. Voilà, là, c'est encore pire, mais non. Y'a pas empiré ton cas, donc ta gueule. Oh putain, j'étais sur le bord de la bouche du Kraken. C'est pas empirer le cas, c'est que ton... Tu fais empirer ton rire. Que tu vas vraiment devenir un savant fou, toi, je pense. Oui, il y a des clochettes. Et elle a fait clochette. Ah, ah, ah. Moi, je suis tellement mort de cette blague, MDR. Je sais pas si ça a été une bonne idée d'inviter Mister Blagounette dans une vidéo. Je sais pas, dans cette vidéo, c'est qui Mister Blagounette? Toi. Ah, moi? Ah ben, Mister Glitcher est là. Et j'avais oublié que toi, c'était... à chaque fois, tu sortais des blagues. Hey, tu préfères mieux des blagues ou des insultes? Des blagues, c'est mieux. Ah bah voilà. Alors, Karim. Allez, je vais dans l'étoile d'araignée, yes. Utilise l'étoile d'araignée. Karim, il n'a pas pu venir parce qu'il était... Parce qu'il était dans une communion, voilà. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Il arrive bien à se faire empiler. Non. Et il a décidé d'accompagner un pote qui n'arrête pas de le harceler des fois. Oh mais putain, Saligo, tu me fous de l'eau de sur la gueule là. Bah non, regarde. Et ah oui, c'est moi qui a mis l'eau. Regarde où je suis en plus, moi. J'étais, ah, moi, j'étais bloqué dans l'étoile d'araignée et toi tu m'accuses. Hein. Oui. C'était tout. Oh, oh bah merde, c'est un truc qu'on peut pas, qu'on n'a pas. Eh mais en fait j'ai remarqué, il y a Bob l'éponge là-dedans. Ah, on est dans l'entre où il y a Bob l'éponge. In the winter, 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 okay. I love, I can wait, in the winter. Parce que là en fait il y a de l'eau dans un coffre normal, tu vois, avec un cœur en... le contour de Nezorak et de la boue. Donc deux zombies. Par contre, t'as remarqué que c'est le squelette du Kraken. Voilà. Ouais, c'est le squelette du Kraken. Eh oui, effectivement, il y avait Bob l'éponge, je l'avais vu dans des vidéos. Ah oui, regarde par ici. Ils ont peut-être loupé ce coffre. Ah oui, le cœur du Kraken. Ah, c'est le cœur du Kraken. Tiens, bon, allez, Kraken, libre. Je pique ton cœur. Et libre, mais il est mort, mais quel con. Oh là là. Voilà, je lui ai piqué son cœur. Moi, je pisse et... comment dire, son squelette. Ouais, mais par contre, c'est bizarre qu'il ait aussi long le couloir. Toi. Ça veut dire qu'il y a un long truc. Peut-être. Ah oui, 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 c'est un long truc ça. Ah oui, c'est quoi tout ça? King Country Vance by R.S. Malek. Décidément, R.S. Malek, il a fait beaucoup de jump. Translate. Alors, à ce qui paraît, c'est une route. Ouais. Je pense qu'il faut la suivre. Ouais, bah si tu la suis, en fait, t'es mort. Je l'ai su... En fait, c'est... Oula, il y a quelques... Et il faut effectivement la suivre. Et à un moment, il faut... Ah oui, il y a des lianes, Gulli. Ouais. C'est assez chaud, ça. Hein. Oh putain. Ouais, t'as même pas le temps. Putain, tu dois éviter les petits blocs qui sont sur ton chemin. Oui, c'est vrai. Putain, on n'est pas dans Matrix. Ouais, on a eu le truc de Matrix dans The Dropper 2, nous. Oh yes! Oh yes!
Ah, Etsy. Non, mais là, ça va être chaud pour être de le réussir. Oh, il y a un coin. Bonjour, tu perds le coffre en attendant que tu craques tout le temps. Ok, il n'y a rien dedans. C'est bien ça. Putain. Mais en fait, c'est vicieux ce qu'ils font quand même. Ils obligent les gens à rester collés à la route et après... Après, il y a un petit truc qui vous... Hein? Non, non. En fait, on est obligé parce que si on se prépare plus tôt, on se reçoit... Oh merde. On se prend notre portillon dans la gueule. C'est quoi? Moi, je monte en attendant que tu finisses. Moi, je vais monter dans les maisons. Ouais, bon. Non, on termine correctement. Moi, je visite les maisons qu'il y a. Ah, mais dans la même map. Bah alors, le truc... Coucou. Putain, je suis toujours... Ouais, mais c'est chaud. On n'arrive même pas à rentrer là-dedans. Et le bois, il est pas assez résistant. Ils ont rien laissé dans les coffres. Ouais. Je crois que en fait, il nous manquait. Là, il nous en manque encore un de niveau. Et après quoi on a fini cette section? C'est sûr, bon la porte elle est où? Elle est là-bas. Ah bah attends, il y a des... À part si c'est... Ah je crois... Ah non, c'est... On a terminé. On a terminé cette section les gens. Bon bah... Ah j'avais déjà de laine. C'était la verte? C'était la verte. Bon ben bah, on en paye nous. Elle est là. Je crois pas. Allez, ouais. Si, une dernière. Ok. Mais comme ça, on aura plus trois. On va mettre fin à cet épisode. Quand donc, même. Toujours aussi, toujours plein de rires, toujours plein de voilà. Trucs. Et pour ça, retrouvez-nous dans le prochain épisode avec Flo Prédateur. On espère que vous le regardez, bien sûr, hein, ouais. Le prochain épisode. Allez. Parce que sinon, on va vous punir. Tu les puniras. Allez, ciao, moi, ciao. Dis-leur au revoir quand même, Predator. Au revoir. Attends, regarde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.